Eh Grimbert, bien, j'ai envie de te faire sauter la figure. tu commences bien. Donc, salut à Vite. tous et surtout à toi du chose. Donc, on est devant le labyrinthe, ce labyrinthe de mort où on va sauter et puis on essaiera de trouver la sortie. Mais d'abord, on va dire bonjour Rappelle, aux c'est pas creepers. sécurisé, il y a des creepers. Mais c'est pas sécurisé du tout en fait, je crois. Mais t'iras te plaindre à du chose. Bonjour, creeper. Tiens, tant que j'y pense, t'as dormi dans le lit avant d'y aller? Parce que sinon on aura l'air con, hein. J'ai pas envie de te refaire faire tout le chemin. Boum! M'en fous, j'ai pas pris de dégâts. Par contre l'autre il est trop loin, je vais pas faire le con. Je vais être capable de me retrouver coincé dans le haut et de prendre un creeper en pleine face. Hello! Bon bah a priori c'était le top départ, et bah c'est parti! Splouf! C'est moi où j'ai vu des poulets. T'as reçu les œufs, c'est pas drôle. Tiens, tu veux l'œuf? Tu veux l'œuf? Regarde-moi! Pouf! Une chance sur 8. Non mais il a mis des poulets partout. Attends, je vois ta tête. Bon. On dit quoi? On y va comme des brutes ou on essaye de réfléchir? À droite, à gauche, en arrière. Ok, en arrière. Bon, on y va comme des brutes et puis si vraiment on trouve pas, et ben on essaiera de réfléchir un peu. Les aventuriers ne vont jamais tout droit. On va pas tout droit, on y va comme des brutes. C'est encore pire. T'es entouré de poulets, c'est marrant. Ils veulent me faire des trucs, j'aime pas ça. Il en habite partout. Bon, et eh ben c'est parti, vous rougez déjà un cul-de-sac. Oh! Magis! On va se perdre. C'est le principe, Tout à hein, fait. c'est un labyrinthe. Voilà, on s'est perdu. Ah non, t'es là. J'ai pas encore réussi à te perdre. Alors moi je dis, ça manque d'originalité, il y a que de la cobblestone. Je sais pas, il aurait pu Lance va... des œufs. Il aurait pu varier la déco. Ah, ça c'est sûr. Fait, je crois que ce labyrinthe va finir en bataille 2. J'y vais à la bourrin, c'est n'importe quoi. Ah bah si on se perd pas dans un labyrinthe, c'est pas drôle. Non mais... T'as fini? Sale gosse! Elle retombe pas, c'est pas drôle. Tu regardes quoi? Lance des œufs en haut, des œufs en haut. Ah. Ah ouais, c'est bizarre, il tape pas la vitre. Une torche! Pas de torche, interdit! Attention les poulets, me regardez pas comme ça! Ils me regardent là avec leurs petits yeux. Oh, me regarde pas comme ça! Ils s'enfuient. Après, il fait du meurtre de poulet. C'est pas vrai. Heureusement qu'on n'est pas dans Zelda, sinon je serais décédé depuis un moment. Ah, t'as arrêté des actions marrantes, bah juste. Tiens! 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 Je t'ai balancé tous mes œufs, c'est bon. Mais c'est Espèce ça pour pas derrière. d'enfoiré! T'étais en sneak en train de me chercher, salico! Non, je te cherchais pas. Je crois que si on veut sortir efficacement de ce labyrinthe, ce serait bien de se déplacer vite, donc pas de se déplacer à moitié accroupi. Je peux compter de te suivre. En attendant, c'est l'arroseur arrosé, hein. J'ai trouvé un Chercher truc avec la lave génial! Je tourne autour du poteau! ça tourne. Bah, c'est surtout quand tu tournes autour du même poteau pendant 4 ou 5 tours. Putain, si ça va à quel point? Cours, cours! Bon, par contre, on est officiellement paumé. Donc je propose d'opter Faut tourner pour à droite. une stratégie, voilà. Il faut toujours tourner dans la même direction. Voilà. Droite, droite, droite. Mais là, ça marche pas. C'est pas un poteau. Ah oui, ce serait...
contre se faire ça comme un idiot autour d'un poteau. Droite. Bah, droite. Tac. Droite, droite. Droite. Tu vas me rendre fou. Droite. Droite. Mais nous, un truc sympa. Mais non, comme, vu qu'on... Ah ! Je reviens au début. c'est pas ce qu'on cherche, Nico. Pour vous, je suis revenu au début. J'ai l'impression que je suis dans une sorte de cercle et que je me retrouve coincé avec ma théorie à la con du toujours tourner à droite. Moi je suis totalement au hasard si j'y vais random droite gauche. Ouais mais à coup de random on n'est pas prêt. Non mais c'est ça, en plus je suis vraiment coincé. Tu as sorti ta feuille à carreaux du coup? Non, je suis encore en train de parler là donc... Je crois que je vais sortir moi la feuille à carreaux. Alors, où est-ce que j'ai des feuilles à carreaux? Intéressant. Ceci est une feuille, il y a des carreaux dessus, je crois que ça compte. Maintenant il faut un crayon. Avec ou sans carreaux, ça on s'en fout. Poulet, 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 poulet. En prismarin, ça peut être sympa. Non. Ouais. Bien. Voilà. Non, c'est un mur. C'est la. On va voir, toi. Tiens. Voilà. Aïe. Donne-moi la sortie poulet. D'accord, je te suis. Mais pourquoi tu retournes derrière? Alors, pour information, les poulets qui connaissent la sortie sont sans doute dehors. Mais pourquoi tu repars derrière, espèce de con? Parce que c'est un poulet. Ça fait trois fois que je me le nez dans les mêmes cul-de-sac, je sais même plus où est la sortie du nœud où je me suis planqué. Aidez-moi! Un œuf! Ah, c'est toujours le même cul-de-sac qui m'énerve. Et là, il me regarde le cul-de-sac. Viens! Toi, je vais mettre des carottes par terre pour trouver le chemin. Bon, bah, Najdi, c'est le petit poussé des carottes. Zut, j'ai paumé le sens du plan que je suis en train de dessiner. C'est le craquage complet. Moi j'ai l'impression d'explorer des nouveaux trucs. C'est déjà un bon début, mais comme tout se ressemble, je suis pas sûr que ce soit fiable. Je ramasse des œufs. Ouais. Et là, on serait sur Camille quand je le retrouverai. En train de dessiner. Oh oui, j'ai retrouvé l'entrée. Mais c'est pas l'entrée qu'on veut. Là, trois gendres.
putain, je suis encore tombé à l'entrée. Est-ce que tu pourrais calibrer ton GPS sur sortie? Mets-toi en plein milieu de la feuille parce que tu sais pas où est-ce que t'es dans le labyrinthe. Enfin, si, tu sais, t'es à l'entrée, je suis con. Tu es encore à l'entrée. En fait, toi, dans un labyrinthe, tu bouges pas. Tu joues la sécurité. Autour duquel je tournais comme un con en début de vidéo. Donc si je mets le début juste avant le craquage, il faudra que je mette après pendant l'ellipse ce passage où je retrouve le poteau. Elles sont contentes de passer à l'écran. Elles disent ouais, y'a enfin un mec qui est venu se paumer dans ce labyrinthe. Putain, il fait qu'un peu là. Ah bah là, niveau paumé, je pense qu'effectivement on a un bon score. Merde, je suis perdu. C'est bon, je suis perdu. Alors, je me répète sans doute, mais on est dans un labyrinthe, c'est le principe même du truc d'être perdu. Ouais, mais perdu sur son plan, c'est un peu craigneuse quand même. Prochaine fois qu'on vient, on vient avec de la TNT. Ouais. J'étais sûr que l'idée te plairait. Et puis, bah, fin de la soirée. Cela fait déjà 48 minutes qu'on est dans ce foutu labyrinthe. Donc c'est un bon score, hein, joli. Bah Nico, je te dis à une prochaine fois, et puis on tentera de résoudre cette saloperie. En attendant, je pense que je vais monter ça. Arriver, c'est bon, le plan, moi, il est bon, il est juste. Oui, le plan est juste. Je pense que je vais monter ça, faire des ellipses à la con, et je mettrai ça en ligne, on va rigoler. Allez, à plus Nico, à plus les autres qui regardent, qui se sont paumés sur cette vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Démarrez-vous bien.